Je trouve inadmissible qu'on puisse tirer sur un animal protégé. L'autopsie de l'animal a montré qu'elle avait été atteinte par des plombs environ un mois avant la collision avec une voiture. Ce qui était bien la preuve qu'elle avait fait l'objet d'attaques en quelque sorte, peut-être dans le cadre des battues qui avaient été organisées. D'autant que l'autopsie a démontré que ces plombs étaient placés de telle manière qu'il ne s'agissait pas, si vous voulez, d'une situation de défense de la part de la personne qui avait tiré. C'est inadmissible, enfin, c'est complètement illégal. Et c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas fermer les yeux. Il était naturel que je demande au procureur de la République d'étendre ses investigations.